Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon de conjugaison, les verbes du troisième groupe au futur. Alors, on a déjà vu le futur simple, le futur simple est un temps qui est utilisé pour parler d'une action qui se déroulera plus tard. Le futur est l'action qui est pas. Alors, je fais les verbes du premier groupe, deuxième groupe et du troisième groupe au futur simple. Lyoma, je vous seulement les verbes du troisième groupe au futur. Alors, le futur simple exprime une action à venir. Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. Le futur simple, tous les verbes ont la même terminaison. R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T. Alors, bien que terminé par ER, le verbe aller est un verbe du troisième groupe. Le verbe aller, verbe de troisième groupe, il a une conjugaison irrégulière. Gérer, tu iras. Il ira, nous irons, vous irez, ils, elles iront. Alors aujourd'hui, comme l'exercice de manuel, page 95, le trésor des mots, ou en même temps, l'exercice de cahier d'activité, page 57. Alors prenons l'exercice 1. Entoure les verbes conjugués au futur. Alors, les verbes qui conjuguent au futur, on verra, nous irons, vous ferez, je pourrai, nous devrons, ils voudront. Deuxième exercice. Complète chaque phrase le sujet de la liste qui convient. Alors, chaque phrase, on dit le rang. Le sujet. Je n'en chauffe pas. Les terminaisons du verbe. Après les terminaisons du verbe, radin dirou le sujet. Alors, pourront être dangereux. Alors, ces produits pourront être dangereux. Devront éviter les jeux violents. Nous devrons éviter les jeux violents. Tu verras un documentaire sur les dangers de la cigarette. La dernière phrase. Vous ne boirez pas l'eau de Javel car c'est dangereux. On passe à la troisième exercice. Recopie chaque phrase en mettant la bonne terminaison. La terminaison le ya sahiha. Vous sortirez à la fin EZ en évitant les dangers. La phrase B. Ils voudront à la fin ONT se protéger des rayons du soleil. La phrase C. Ma sœur et moi devrons à la fin ONS. Regardez à gauche et à droite avant de traverser la rue. La phrase D. Tu mettras à la fin AS la casquette pour la protection. Quatrième exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. La phrase A. Ils feront. Le verbe faire. Ils feront attention en traversant la route. La phrase B. Nous verrons. Le verbe voir. Nous verrons. C'est possible. La phrase C. Vous ne courez pas sortant de l'école. Le verbe courir. Vous ne courez. À la fin, Z. En sortant de l'école.
La phrase des. Le verbe pouvoir. Je pourrais utiliser le couteau avec précaution. La dernière phrase. Tu prendras. Le verbe prendre. Tu prendras soin de ta santé. On passe maintenant au cahier d'activité, la page 57. Alors, premier exercice, souligne les verbes de troisième groupe conjugués au futur simple. La phrase A, la semaine prochaine, nous partirons en voyage. Alors, le verbe c'est partirons. Deuxième phrase, ces meubles iront avec mon nouvel appartement. Le verbe c'est iront. La phrase c'est dans quelques jours, la neige couvrira les cimes de montagne. Alors le verbe c'est couvrira. La phrase D. Ma sœur reviendra à l'école d'ici 3 jours. Le verbe c'est reviendra. Dernière phrase. Bientôt, je lirai ta lettre et je te répondrai. Alors, le verbe c'est lirai et répondrai. On a 2 verbes ici. Deuxième exercice. Conjugue les verbes suivants au futur simple. Le verbe dire, je dirai, tu diras, il, elle dira, nous dirons, vous direz, ils, elles diront. Le verbe faire, je ferai, tu feras, il, elle fera, nous ferons, vous ferez, ils, elles feront. Le verbe pouvoir, je pourrai, tu pourras, il, elle pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils, elles pourront. Le verbe partir, je partirai, tu partiras, il, elle partira, nous partirons, vous partirez, ils, elles partiront. On passe à 3e exercice. Relis chaque verbe conjugué à son infinitif. Alors, nous irons, c'est le verbe aller. Elles seront, c'est le verbe être. J'aurai, le verbe avoir. Il verra, le verbe voir. Vous saurez, le verbe savoir. 4e exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. Vous, le verbe partir. Vous partirez demain de bonne heure. Vous partirez demain de bonne heure. Elle, le verbe venir. Elles viendront avec vous jusqu'à l'aéroport. À quelle heure partira? Le verbe partir. À quelle heure partira le train? À destination de Marrakech. Demain, le verbe prendre. Demain, tu prendras un bouquin de la bibliothèque de l'école. Cet appareil permettra. Le verbe permettre, cet appareil permettra de commander de loin.